Petit saut à la maison, avant de partir au travail, je suis revenu directement après le sport ici parce que j'attendais un colis et vous vous rendez pas compte à quel point je suis excité de le recevoir. Ça fait tellement longtemps que je cherche une solution pour mes repas de midi et du soir. Et j'ai fait un test la semaine passée et j'ai trouvé mais le truc parfait, super bon, super rapide, mais juste un 10 sur 10, un 12 sur 10, je vous montre. Voilà ma solution, elle s'appelle Power Meals. Là, tac. Alors, juste pour préciser, je ne suis pas payé, je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas partenaire avec eux. Donc c'est vraiment plus une solution que j'ai trouvée moi, que je vous partage à vous. Mais du coup, je ne suis pas payé pour ça, c'est vraiment pas une pub. Mais pour vous dire, j'ai vraiment cherché pendant longtemps la solution parfaite. Et je crois que c'est bon, ça y est. Je vais arrêter de cuisiner la semaine. C'est fini. Cette solution, en fait, c'est tout simple, c'est qu'ils envoient à la maison des plats en avance. Donc moi, je vais sur le site la semaine avant. Et en fait, je passe commande sur les plats que je vais avoir. J'ai vraiment une sorte de menu, comme au restaurant, avec plein de plats différents. Et en fait, il y a trois options pour l'instant. Il y a le plat normal, on va dire balance. Il y a le plat balance plus et le plat low carb. Low carb, donc très peu de glucides ou moins de glucides. Et du coup, en fait, je prends des plats sains, qui sont bien équilibrés, qui sont déjà faits. Et j'ai juste un seul taf, c'est prendre le plat, le mettre soit dans la poêle, soit au micro-ondes, et je mange. C'est un gain de temps de ouf. C'est un contrôle parfait sur ce que je mange parce qu'il y a tout qui est écrit sur le plat. Je vous montre. Là, il y a une pâte de glace. Et vous êtes prêts? C'est maintenant que la magie va se passer. Boum! Tous mes plats pour la semaine. Et voilà, voici tous les plats pour ma semaine, ils sont ici. Alors, il y a vraiment plein de plats différents. Là par exemple, ici, bah, c'est du poulet katsu et riz sushi. Là c'est du bœuf aux champignons avec des patates rôties. De nouveau, même poulet d'avant. Du kawarma d'agneau, houmous à la betterave. Poulet katsu et julienne de légumes. Bref, vous avez remarqué, il y a plein de plats différents. Seco de pollo. Franchement, ce qui est trop kiffant, c'est qu'en fait, tu passes commande en ligne sur le site, tu prends tes plats et tu vois vraiment par plat. En fait, chaque fois, je vois vraiment les macros. Par exemple, celui-là, si on voit, bah ok, je vois que niveau Nutri-Score, il est A, cool, seulement 2 grammes de sel, 17 grammes seulement de graisse, 10 grammes 8 de sucre, et 40 grammes de glucides, et après, ce qui est trop bien, 31,5 grammes de protes. Donc vraiment, j'ai un contrôle de ouf sur ce que je mange, et surtout, mais vraiment, c'est un gain de temps incroyable. Et en plus, alors, on pourrait se dire, ouais, mais c'est pas super écolo, c'est du carton, dedans ça, ça part dans le papier, vraiment, je mets ça dans le papier, carton, et ensuite, pour ces bacs là, en fait, je les fais juste fondre, soit je peux les garder pour les réutiliser, ou bien tout simplement, je remets au plastique. Alors, même si le plastique se recycle pas vraiment très bien, c'est quand même du plastique recyclé à chaque fois. Donc c'est un petit peu, je pense qu'effectivement, peut-être qu'à terme, ce qui pourrait être bien pour eux, c'est de trouver une solution où, je sais pas, ils te posent tes plats à la maison, puis une fois que tu as fini, tu peux les rendre aussi, puis ils sortent de bocaux en verre. Mais franchement, je suis trop content. Et à chaque fois quand je rentre le soir, je suis au restaurant, j'ouvre mon frigo, je me dis, tiens, un soir, je mange quoi? Qu'est-ce que j'ai envie? Du poulet, du bœuf, non, du poisson? Allez, du poisson. Bref, maintenant, je prends un plat et ensuite, je pars au bureau pour enchaîner et commencer cette semaine à fond. Bon, dans la vie, il y a vraiment peu de choses qui me font chier. C'est rare d'avoir un jour où je suis de sale humeur, où je tire la gueule, vraiment où je suis de mauvaise quoi. Mais il y a un truc, s'il y a bien un truc qui me fait chier, qui m'énerve et qui me tend à chaque fois, c'est les bouchons, vous vous rendez pas compte. Ça fait, je pense, 10 minutes que je suis bloqué quasiment à cet endroit. Putain, mais les bouchons, les personnes qui habitent dans les grandes villes genre Paris ou comme ça, je vous respecte de ouf, je vous respecte de ouf. Voilà, elle est pas belle la vie. Là c'est bon normalement parce que... La grosse question maintenant, il y a 8 personnes. C'est le paiement.
C'est que ça. Cool, je te montre ça. Autoglace, intro, outro et signature audio. Bon, on est good? Yes. Parfait, bah, c'est ça. Bon, kick-off de la semaine terminée. On sait ce qu'il y a à faire pour la semaine. Et maintenant, j'ai un téléphone très important avec Wacker, la boîte qui est basée à Munich. Il faut qu'on parle ensemble de la suite du projet. J'ai annoncé dans l'ancien épisode qu'on partait maintenant sur un projet de plus grosse envergure avec eux, où je vais coacher et accompagner 8 personnes de la boîte à créer du contenu sur LinkedIn. Maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'on commence le projet officiellement? Est-ce qu'on le commence maintenant? Est-ce qu'on le commence fin d'année ou début 2022? Et je reparlerai après de facturation, parce que le plus tôt on pourra commencer le projet, le plus tôt bah, on sera payé pour le faire et le mieux c'est. J'en reparlerai après. I can just write to them an email, one by one. Just to say that I'm very happy to start the coaching with them. Bye okay. Bye. Thank you. Bye Catherine. Bye bye. Bye bye. Bon, call terminé et c'est cool. C'est une bonne nouvelle. J'avais peur en fait qu'ils me disent qu'on devait commencer plus tard le projet. Parce qu'initialement au tout début, quand j'avais fait l'offre, ils m'ont dit bon, on va commencer par deux phases. C'est la phase workshop, la phase création du programme, avant de commencer par la partie coaching. Et on fera le coaching en 2022. Puis du coup, bah, le contrat était plus ou moins signé. Mais bah, dans ma tête, il fallait qu'on commence en 2022 le coaching. Et en fait, non, il faut que je commence la semaine prochaine. Donc c'est cool. Et c'est en fait, c'est vraiment la question, c'est toujours ce qui est un peu compliqué. Il y a peu de personnes qui le comprennent vraiment parce que c'est, dès qu'on est dedans, bon, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Mais si maintenant je vous dis, trop bien, on vient de signer un super contrat à 40 000 francs, magnifique, génial. C'est pas 40K qui tombent sur le compte tranquillou bilou, c'est vraiment pas ça. En fait, nous on a des conditions de paiement, on fait 70% de paiement en à-compte et après 30% une fois qu'on a fini de travailler avec eux. Mais ça c'est nos conditions, c'est comme ça que nous on bosse. Maintenant, bien souvent ça arrive que les boîtes elles-mêmes, elles ont leurs conditions à elles. Et du coup en fait des fois, bon, on se fait un peu écraser par leurs conditions. Et il y a des boîtes, pour ne pas les nommer, des grosses structures très souvent qui font des paiements à la fin de la collaboration. Donc tu bosses avec eux pendant des mois s'il le faut et t'es payé à la fin de la collaboration. Il y en a qui font des paiements tout en avance mais c'est fin du mois plus 60 jours, ce qui fait que t'es payé 2 mois et demi après selon comment. Donc c'est toute une question de cash flow. C'est le truc le plus important pour une boîte, c'est le cash flow. Il y a beaucoup, beaucoup trop de PME qui coulent, qui crèvent parce qu'elles n'ont pas assez de cash flow, il n'y a pas assez de trésorerie sur le compte. Ce qui fait que bah, tu attends des paiements, chaque fois tu es un peu dans la galère, tu as la corde qui est ici et un instant, ça pète quoi. Mais du coup, on commence semaine prochaine et je me réjouis à fond. Ça va être intense, je dois coacher 8 personnes, j'ai 10 heures avec chaque personne, 80 heures, 2 semaines full de taf, enfin 2 semaines de taf pour une personne normale, mais 80 heures total. C'est cool. Bon, lundi, c'est très souvent jour admin, il y a plein de choses à faire niveau admin. Les paiements, il y a plein de mails. Je dois faire une offre pour un nouveau client qui est rentré. J'ai sonné la cloche, mais j'ai pas encore le montant exact. Donc je dois faire une offre, mais c'est sûr qu'on bosse avec eux. C'est plus un projet branding avec eux. Je dois faire une autre offre pour un autre client. Et après, j'ai plusieurs téléphones à faire maintenant, dont un avec un mec qui m'a écrit random par mail, je crois. Il m'a écrit samedi soir. J'étais en pleine soirée avec des potes à la maison. Et j'ai un petit mail d'un gars qui me dit « Voilà, hello, j'ai besoin pour la création d'une nouvelle structure, d'un logo et d'une réflexion en branding. Du coup, est-ce qu'on pourrait s'écrire ?» Et je lui ai répondu pendant que le plat chauffait, quoi. On est réactif. Ciao, c'est Greg. Bonjour Greg. Comment ça va ? Écoute, ça va pas, c'est toi ? Très très bien, merci. Merci pour ton mail samedi. J'ai essayé d'être réactif, comme t'as vu. Pour être transparent avec toi, j'ai lancé un plat, j'avais invité à la maison et pendant que le plat cuisait, j'avais mon téléphone dans la main pour gérer le chronomètre de la viande et j'ai vu ton mail, du coup je t'ai répondu. Ok. Bon, cool, dis-moi tout alors, je t'écoute. Je te mets un devis dedans, je t'explique dans les différentes phases qu'on mettra en place ensemble pour la suite. Puis tu regardes tranquillement de ton côté, tu me tiens au courant sur ce que t'en penses. Puis si pour toi c'est bon, t'as un go, on start ensemble. Ok, on fait comme ça. Ça marche? Parfait. Merci à toi. Ça marche. Merci beaucoup, ciao ciao. Bon, du coup, j'ai 3 offres à faire cette semaine. Une offre pour un nouveau business, un gars qui veut se lancer à son compte et qui a un projet, je vais pas le dire ici parce qu'il m'a dit que c'était un petit peu confidentiel, mais il a un projet dans la restauration et en gros, du coup, il faut lui créer bah, sa stratégie de marque et son logo. Bon, juste maintenant, on a le point mensuel.
C'est un truc que je fais avec la team et on essaye de se voir une fois chaque mois pour faire un petit point et relever ce qui va bien et ce qui va pas bien. Donc chacun, autant moi que Thiago, on apporte en fait deux points sur la table. Donc deux points qui vont bien, qu'on aime bien et qui se passent bien et qu'on kiffe, on va dire, au sein de l'agence. Et deux points à l'inverse qu'on aurait réussi à travailler, à améliorer, à changer ou à corriger. Du coup, petit meeting mensuel avant de repartir au bureau. Vous êtes chaud ? Bon, rendez-vous mensuel terminé. Maintenant, on enchaîne. Pas le temps de niaiser de nouveau. On a rendez-vous maintenant avec WinLab au bureau, la marque de compléments alimentaires. On est en train de préparer une campagne qu'on va lancer avec eux. Et il y a 5 vidéos à faire. Donc là, maintenant, on a une séance avec lui pour définir les 5 vidéos. Monsieur! Ah, tu voulais mettre une fausse pression, mais c'est toi qui es en retard. Je suis pas en retard, ok. Ça fait 20 minutes que je LOL. Ok, homme, Berne. Houssière, t'as les contacts. Brice, gère. Foot, Lausanne Sport, on gère nous, niveau contact. On est good? We are Gucci. Gucci, Gucci. Us. Bye bye. Bye mec, prends soin de toi. Bonjour. Un beau gros lundi, comme je les kiffe. On se retrouve à la maison. Voilà ce qui résume un bon lundi. C'est ouf. J'en parlais dans le dernier épisode, mais là, genre, la journée, elle est passée comme ça, quoi. J'ai pas vu une seule seconde. C'est ouf, quoi. Ça court dans tous les sens. Mais c'est... Je vous jure, c'est kiffant. C'est kiffant, et plus ça bouge, et plus c'est kiffant, et plus ça motive, et plus t'as envie de te défoncer, et plus t'as envie de donner à fond. C'est un cercle vertueux. Et j'ai besoin d'avoir votre avis. Pour être transparent avec vous, le fait d'avoir diminué la fréquence des vidéos de 2 à 1 par semaine, c'est con à dire, mais ça me démotive un peu. Je me sens moins investi. Je le fais un peu en mode passif, enfin, je le fais quand j'ai le temps, c'est un jour par semaine, tranquille, voilà, je me filme, je le fais, je le monte. Mais j'ai moins la hargne. Et là, on est lundi, et ce matin, je me suis dit, putain, mais je veux filmer. Je veux prendre la caméra, je veux filmer, j'ai envie de documenter à fond. Parce que j'ai envie, en fait, d'y aller. J'ai envie d'aller à fond, et je me pose la question, est-ce que je devrais pas, en fait, retourner à 2 vidéos par semaine, mais essayer de moins passer de temps à les monter. De plus faire du cut, en fait, où je me filme un max possible, dès que j'y pense, quand j'ai le temps. Et en fait, je prends juste la caméra, je vous embarque un peu avec moi, mais sans passer trop de temps à monter. Et le plus long, c'est le montage. Vraiment, je le fais en soir et ça me bouffe des soirées complètes. Mais je me dis, je vais essayer maintenant. Donc si vous la voyez cette vidéo un mercredi, bah jackpot, c'est que j'ai réussi à le faire. Mais j'aimerais bien me donner un chrono et je me donne une heure pour faire le cut, tac, 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 la musique, j'exporte et j'envoie. Et si je peux réussir à le faire en une heure, je pense que je repartirai sur 2 vidéos par semaine. Une le mercredi, une le dimanche. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais peut-être repartir sur 2 par semaine pour montrer qu'il y a un mouvement, que ça bouge et que vous suiviez un max l'aventure? Parce que une par semaine, vous n'avez pas forcément ce qui se passe tout le temps, vous n'avez pas forcément la mood de l'instant. Et je pense que plus ça sera live, plus ça sera authentique, plus ça sera régulier, plus vous allez kiffer. Je pense que plus je serai investi aussi à fond dedans. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve dimanche soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous.